mwati kumbye talanga mame ya kome kunimbalanga abu njeimonanga kuntimami. Mesdames, messieurs, bonsoir. Vous l'avez bien compris, c'est du handicap que nous allons parler ce soir. Le Congo aime-t-il ses handicapés? C'est la question qu'on peut se poser en regardant ces images des hommes qui se traînent par terre et parfois même être portés pour gravir deux marches qui mènent à la salle de conférence de la Chambre de commerce internationale du Brazzaville. Le 27 août dernier, nos caméras se sont invitées à la 5e Assemblée générale ordinaire de l'Union nationale des associations des personnes handicapées du Congo. Jean de Dieu-Goma, vous êtes le président de l'UNACO. Dites-nous, quel est l'intérêt de cette Assemblée Générale Ordinaire? La 5e du Nord, c'est une Assemblée Générale Ordinaire. Vous savez que nous sommes une organisation structurée, comme je l'ai dit tantôt, du sommet à la base. Et que c'est normal que tous les 4 ans, nous rendons compte de nos activités à nos mandats. Et les mandats, comme je vous l'ai dit, il y a les représentants de l'intérieur du pays qui viennent, et il y a ceux de Brazzaville également. Donc nous allons rendre compte du travail que nous avons fait, et aussi regarder ce qui n'a pas marché. Mais aussi, regarder les instances. Parce que les instances qui ont été mises en place répondent aux normes d'aujourd'hui. Parce que n'oublions pas que le président de la République vient de promulguer la loi portant ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Et cette loi qui a été discutée il y a quelques mois au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat, comporte des éléments importants qui vont permettre effectivement à la personne handicapée de pouvoir retrouver une fois de plus sa place dans la société. Donc aujourd'hui, nos documents nous disant qu'il faut les adapter par rapport à ces réalités-là pour nous permettre effectivement de pouvoir avancer. Donc vous savez aussi que notre pays a une loi, la loi 009, par 92, portant statut de protection et prévention de la personne handicapée. Cette loi-là qui a été promulguée par le président Sassou en 1992 devient à notre entendement, mérite à notre entendement qu'elle soit revue. En tenant compte des orientations contenues dans la convention telle que je vous l'ai dit. Donc nous regarderons également cette loi pour que effectivement nous l'adaptons à la réalité de l'homme. Dites-nous concrètement que fait l'État dans deux domaines précis pour les personnes handicapées, l'éducation et l'accessibilité. En fait, ce qui concerne la scolarisation des personnes handicapées, il faut se dire qu'en dehors des cours, des aveugles qui ont des institutions spécialisées, mais les handicapés du moteur vont dans les mêmes écoles que toutes les personnes disponibles. Donc je crois qu'à ce niveau-là, je crois qu'il ne se pose pas de problème parce que nous avons la possibilité effectivement d'aller à l'université, de commencer effectivement à l'école primaire jusqu'à l'université, en dépit du fait que certains établissements ne sont pas accessibles vraiment du point de vue architectural. Gaston Yongo, vous êtes le président du réseau des personnes vivant avec handicap à Pointe-Noire et dans le Pilou. Est-ce que vous partagez l'analyse qui vient de faire le président de l'UNACO? Nous avons sincèrement des difficultés énormes pour accéder dans des édifices publics. Alors nous avons choisi cette salle, pourtant c'est une grande salle, une salle très bien de la Chambre de commerce, mais il y a un problème, le grand problème c'est l'accessibilité. Pour y accéder, vous-même vous avez remarqué que j'ai eu des difficultés parce qu'il manque de rampes. Alors nous demandons à tout le monde de s'investir pour que, étant donné que nous sommes en train de partir à l'émergence, que tous ces aspects de problème puissent être pris en ligne de compte pour que chacun de nous, chaque citoyen congolais, quel que soit son état physique, puisse accéder partout où il a besoin. Et ça aussi, monsieur le journaliste, vous allez remarquer que ce n'est pas seulement la Chambre de commerce, il y a un peu partout, dans les banques, dans les hôpitaux, nous avons des difficultés pour y accéder. Alors que nous sommes les fils de ce pays. Voilà pourquoi nous demandons que partout où il y aura l'implantation des édifices publics ou des édifices à usage commun, il faut que nous aussi nous donnions notre avis afin que nous puissions avoir de l'accessibilité. Je reviens vers vous, Jean de Dieu-Goma. Reconnaissez-vous que la prise en charge des personnes handicapées est insuffisante? Prise en charge des personnes handicapées d'une manière générale, en dehors de celles qui sont dans les institutions spécialisées et celles qui ont la possibilité d'aller dans des écoles, des établissements normaux, il se pose, c'est vrai, un problème au niveau de cette prise en charge. Mais il faut se dire que la prise en charge est pratiquement gérée au niveau
au niveau global, au niveau des affaires sociales. Donc c'est le ministère des Affaires sociales qui est en charge de ce genre de questions. Parce que nous, par exemple, quand nous recevons au niveau de notre organisation les cas des personnes handicapées, nous les transmettons au niveau de la du ministère des Affaires sociales. Le ministère des Affaires sociales qui est décentralisé aujourd'hui et qui a des structures au niveau de tous les arrondissements de notre, je prends le cas de Brazzaville, tous les arrondissements de Brazzaville. Et quand un cas arrive, ils envoient les services sociaux pour regarder. Et les aides sont apportées en fonction des situations vécues et en fonction des situations de la personne. Donc moi, je crois qu'à ce niveau-là, il n'y a pas à comparer un peu comme ce qui se passe au niveau européen, mais déjà des efforts sont en train d'être faits à ce niveau-là également en faveur des personnes handicapées, comme vous le dites, lourdement handicapées, mais l'essentiel qu'il y ait un signalement au niveau des affaires sociales et les services sociaux des arrondissements s'en occupent. Nous restons toujours dans ce domaine de la prise en charge. Alain Richard Ngonou, vous êtes journaliste installé dans la Lécoumou. Dites-nous, vous travaillez spécialement avec les personnes handicapées issues de la communauté des autochtones, c'est-à-dire des Pygmées. Quelle est aujourd'hui la prise en charge de l'État par rapport à ces personnes? Au niveau de la Lécoumou, je suis dans le Lécoumou, je suis membre, donc j'ai été choisi comme délégué. En dehors de cela, je gère une association des artistes handicapés autochtones qui travaille avec moi depuis la Lécoumou. Vous savez que le gouvernement de la République nous demande de les intégrer. Et avec la déforestation, il y a la sédentarisation de cette population. Donc nous travaillons avec eux avec beaucoup de difficultés. Sinon, il n'y a pas une politique adéquate pour l'insertion, la protection et la promotion de la personne handicapée. On se débrouille comme ça avec les moyens de bord. L'accessibilité, bon, vous regardez là par exemple au niveau des édifices, des édifices, on est obligé de nous soulever. Hein? Nous demandons au gouvernement de prendre en compte nos doléances parce que nous souffrons quand même. Voilà quoi. On a beaucoup de difficultés, on souffre. Voilà, dans d'autres cieux, bon, lorsqu'on nous regardons un peu sur le net, les autres sont un peu avancés. On essaie un peu de regarder aussi comment les autres font. Bon, je travaille, je vous ai dit, avec les autochtones par exemple. Mais cette couche-là est délaissée en ce qui concerne les personnes handicapées. Délaissée, je vous dis. Nous en appelons à la générosité des donateurs, des partenaires et de l'État vraiment de venir en aide aux autochtones handicapés. Vous avez bien compris le tableau sombre que vous venez de dresser par rapport à cette prise en charge des personnes handicapées, qu'elles soient dans la Lécoumou ou encore au niveau national. Cependant, avez-vous un message à lancer auprès des hommes et des femmes qui vont vous suivre à travers Zena TV? Toutes les personnes qui nous écoutent à travers le monde, nous sommes démunis. Nous sommes démunis. Certainement, quand vous projetez les images, vous allez le voir. Nous avons besoin de l'aide multiforme dans l'information, dans le déplacement, dans la mobilité. Voilà. Nous sommes très en retard en ce qui concerne les nouvelles techniques d'information. Voilà. L'informatique, par exemple, chez les personnes handicapées, c'est un rêve. Nous avons besoin du matériel. Les logements, surtout ça encore, dans nos amis qui vivent dans les faubourgs, hein, quand il pleut, le linge bain là, dans la saleté. Nous demandons aussi, en dehors des moyens de déplacement qui ne sont pas aussi adaptés, tels que vous avez vu, nous demandons que les institutions, les ONG et l'État fournissent des efforts pour nous aider, pour que nous ayons des logements adaptés. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité à Zena TV. Merci surtout aux membres, notamment au président de l'UNACO, Jean-Louis Goma, qui nous a permis de réaliser ce document. Merci à toutes les personnes qui ont participé. Merci à l'équipe de Zena TV qui s'est déportée à Brazzaville pour vivre cet événement. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.